Salut les amis! Hop, voilà, ça va être mieux comme ça. Eh ben, j'avais envie de vous présenter ma nouvelle copine qui s'appelle Paulette. Paulette, comme ma grand-mère qui m'a tellement soutenue en fait dans mon enfance. C'était vraiment une grand-mère extraordinaire. Et je crois que sans elle, j'en serais pas là parce que c'était vraiment, il n'y avait que elle qui me soutenait, qui me renvoyait une image de moi positive et plus en adéquation avec qui je suis vraiment, cette hypersensibilité. C'est comme si voilà, elle me voyait en fait, voilà, elle me connaissait parfaitement et elle me voyait. Faut dire aussi, elle m'a éduquée pendant les 3 premiers mois de ma vie. Voilà, je vous raconte vraiment les profondeurs de mon enfance. Et bah ouais, c'est normal parce que j'ai craqué en fait. J'ai craqué quand j'ai vu cette peluche. Et j'avais envie de partager ouais, ce besoin parfois que l'on a de revenir un petit peu dans cette enfance, de se reconnecter à notre enfant intérieur. Et voilà, et donc comme j'y arrivais pas, eh ben j'ai trouvé une copine pour m'aider à ça, à retrouver un petit peu cette tendresse, ce besoin de cocooning, ce besoin d'affection et de pouvoir aussi bah, lui dire à cet enfant intérieur que je suis là pour elle, que je prends soin d'elle. Et voilà, bah ouais, j'ai beau avoir 50 ans, cette part d'enfant, elle est toujours en moi. Et je sens qu'elle a vraiment besoin de s'exprimer en ce moment, de retrouver ce côté rebelle, ce côté foufou, ce côté innocent, ce côté impertinent. Tu es une impertinente. Voilà, parce que tout ça, j'ai pas pu l'exprimer, j'ai pas pu l'être vraiment enfant. Et ben maintenant, c'est à moi de me l'accorder, en fait. C'est à moi de me l'offrir et de me le reconstruire, en fait. D'être, comme je dis souvent, des bons parents pour moi-même, en fait. Voilà, c'est en tous les cas ma façon de voir les choses. Je crois que finalement, on arrive sur Terre. Et on vit des choses qui nous déséquilibrent, à la fois dans notre féminin, dans notre masculin, donc un masculin qui, voilà, et surtout, je crois qu'en ce moment, enfin, ici, en fait, sur Terre, le monde, il est très yang, il est très, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire tes devoirs, et tu dois apprendre par cœur. Voilà, c'est vraiment tout ça que j'ai pu vivre et qui reste encore dans ma mémoire. Hein, c'est notre programme par défaut. Et puis, bah, au bout d'un moment, tout ça pète en live parce que c'est trop dur. C'est trop exigeant, en fait. Donc, bah, y a à retrouver, en tous les cas, moi, ça a été mon chemin, à retrouver mon féminin, ma douceur, ma spontanéité, mon intuitivité, voilà, mon côté spirituel aussi, qui s'est énormément développé ces 10 dernières années et qui a besoin de danser avec tout ça. Et pour se l'autoriser, bah, voilà, y a des fois, on peut trouver un peu des artifices et jouer aussi, voilà, rejouer, jouer notre vie, parce que bordel, qu'est-ce que c'est compliqué si on joue pas un peu, quoi. On va pas être sérieux toute notre vie, c'est pas possible. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on s'amuse, jouer un peu d'autodérision. Donc, j'ai beau être coach, ouais, je suis humaine et je suis à la fois sérieuse et à la fois pas sérieuse, quoi. Faut arrêter de se mettre des barrières, des images, des stéréotypes. Voilà, donc j'avais envie justement de vous faire rentrer un petit peu dans mon jardin secret. Voilà, parce que c'est moi aussi et que
je suis un peu une folle dingue, en fait. Voilà. Et que si tu te reconnais dans cette envie, justement, de retrouver cet enfant intérieur, alors bienvenue au club. À bientôt.